Bienvenue à tous à ce webinaire pour lancer la nouvelle édition des standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Il faudrait juste savoir que ce webinaire est le premier d'une série de deux webinaires pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Celui-ci, comme vous le voyez, sera en français et nous en aurons un autre demain en anglais. D'ailleurs, ça sera à 13h, heure du Sénégal. Pour revenir, moi, je suis Adama Diallo, je suis le coordinateur du service support francophone du domaine de responsabilité globale de la protection de l'enfance, qui est plus connu sous le nom CPAOR, Child Protection Area of Responsibility. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le CPAOR, la mission de ce domaine de responsabilité qui est au sein du groupe sectoriel Global Protection est de soutenir les acteurs au niveau mondial, régional, mais également au niveau local. Et l'idée, c'est de garantir un peu que les efforts humanitaires qui visent à protéger les enfants soient à la fois opportuns, mais également bien coordonnés et qu'ils atteignent une couverture, une qualité, un impact qui est maximum. Aujourd'hui, nous avons également nos collègues de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. En l'occurrence, nous avons avec nous John Awedj, qui est co-responsable du groupe de travail chargé de la mise en œuvre de ces normes, de ces standards de protection de l'enfance, qui va co-modérer également avec nous ce webinaire. Elle va également nous présenter la nouvelle édition, celle de 2019. C'est donc un bon contact, comme vous pouvez le constater, à avoir, surtout sur les questions techniques des normes, les standards de protection de l'enfance. Avant de revenir sur l'ordre du jour et quelques points relatifs à la gestion du webinaire, je vais donner la parole à Johanna pour qu'elle se présente d'abord et qu'elle nous présente un peu ce qu'est l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Johanna, à toi. Super, merci Adama. Bonjour à tous. C'est merveilleux de voir autant d'entre vous dans le cadre de ce webinaire. Et c'est un plaisir de vous parler de la nouvelle édition des standards minimums pour la protection de l'enfance et d'être sur ce panel avec tant d'autres conférenciers intéressants de toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, bonjour à tout le monde. Comme Adama a dit, je travaille pour l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. J'espère que vous connaissez l'Alliance. Nous sommes un groupe interagence mondiale. Nous établissons des normes, ce qu'on va discuter aujourd'hui, et fournissons un appui technique afin de garantir que les efforts pour protéger les enfants contre la violence et l'exploitation soient de grande qualité et efficaces. L'Alliance réunit des acteurs humanitaires engagés dans la protection des enfants, travaillant au niveau local, national, régional, mondial, dans l'objectif de promouvoir le partage des connaissances et la coopération technique. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus. Et si votre agence n'est pas membre, envisagez-vous de vous joindre à nous? C'est une offre ouverte à tous. Et maintenant, je repasse la parole à Adama pour introduire l'ordre du jour et notre premier panéliste. Merci beaucoup, Johanna. En termes d'agenda, aujourd'hui, pour la première partie, on va traiter de l'utilisation des standards dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2012, date de lancement de la première édition. L'importance aussi qu'elles ont comme standards dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et les situations dans plusieurs contextes de situation humanitaire, que ce soit dans le cadre des déplacés, mais également sur des situations mixtes. Et après cela, nous aurons un exemple d'un pays qui a travaillé dans la contextualisation des standards, en l'occurrence le Niger, qui va nous présenter comment ils sont attelés à mettre en œuvre cette contextualisation-là. Et après, nous aurons la présentation de nos collègues de HCR qui vont nous parler un peu sur la partie de considération sur les populations déplacées de force. Mais également, après cela, nous aurons l'utilisation des standards dans le contexte actuel de COVID-19, en l'occurrence nos collègues de plan international dans la région qui sont exactement au Cameroun vont nous parler de comment ils sont attelés à le faire. Et enfin, nous allons parler de l'intégration des standards qui sont opérés dans d'autres secteurs tels que l'éducation, la santé, la nutrition, avec des exemples pays de nos collègues de Save the Children. Maintenant, pour la première partie, nous aurons, comme je l'ai dit tantôt, nous aurons notre collègue Yann Grandin. Yann Grandin, il est diplômé en anthropologie et en relations internationales. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le développement et l'intervention humanitaire dans des contextes fragiles en Asie, en Afrique. Il a également travaillé dans des ONG nationales et internationales et a rejoint l'UNICEF en 2012
où il occupe actuellement le poste de conseiller régional technique pour la protection de l'enfance dans les contextes humanitaires. Ceci depuis 2018. Yann, si tu es là, je te laisse la parole pour nous parler de la première partie. Bon, bonjour à tous. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion comme j'avais ce matin. Merci pour l'introduction. Merci déjà à l'Alliance d'ouvrir cette opportunité. On avait déjà eu l'occasion de parler des standards en novembre 2019. Il y avait eu une présentation au niveau régional, mais l'idée était maintenant de pouvoir toucher un plus grand nombre, d'où l'organisation de ces webinaires. J'ai moi-même, en 2019, participer à l'adaptation des standards en RDC. Ça fait assez longtemps que j'accompagne aussi personnellement un peu et que j'utilise ces standards. Je voulais juste rappeler un peu des évidences pour la région, mais pourquoi les standards étaient importants, particulièrement important pour notre région. Bon, on est dans une région, donc les pays en bleu, qui sont soulignés en bleu, sont ceux qui sont considérés faisant face à des crises humanitaires et qui développent soit des HRP, des Humanitarian Response Plan, ou des plans de réponse, de coordination, peut-être pas dans le cadre du HRP. Mais l'ensemble de la région reste une région très fragile socialement, politiquement et économiquement. Une population très très jeune, avec les moins de 18 ans qui ont plus de doublé en moins de 25 ans, donc avec une vulnérabilité déjà très très forte, et pas seulement dans les pays qui font face à des crises humanitaires. On a, je crois, dans la région 6 des 10 pays le plus touchés par des questions de mariage, et on sait que dans les crises humanitaires, les questions de mariage sont aussi s'accentue. On a 8 enfants sur 10 qui sont victimes de violences, et ça concerne l'ensemble des pays de moyenne. On a un très grand nombre d'enfants qui sont sans enregistrement de naissance. Bref, on a une situation qui est déjà très très compliquée pour des enfants qui représentent eux-mêmes une très grande part de la population. On a à l'heure actuelle donc une dizaine de pays, comme vous le voyez, les zones assurées sont en fait les zones principale de crise à l'heure actuelle. On travaillait récemment sur la crise du Central Sahel et on avait pour la protection de l'enfant, on avait rien que pour le Central Sahel, une augmentation avant le Covid de 80% des besoins en protection. Donc, une situation qui se dégrade, une pluralité de crises humanitaires. Alors, c'est des crises qui sont très longues, qui sont régionales, souvent sous-régionales, le lac Tchad, le Sahel, j'en ai parlé, qui se chevauchent. Donc, on a des crises nutritionnelles, des crises entre communautés, on a des groupes armés, et de plus en plus avec des problèmes d'accès, des besoins en constante augmentation, et en plus avec le Covid qui sont en train d'exploser. Une très grande variété d'acteurs, et je pense que là, les standards ont vraiment aidé, moi je vois, et je crois qu'on l'a tous vu depuis 2012, à structurer notre secteur, à structurer, à parler le même langage entre des ONG nationales, des ONG, même des organisations à base communautaire, des ONG internationales, des institutions, même avec les bailleurs aussi. Et on reste enfin peut-être un contexte de mobilisation financière très limité. On est entre, alors ça dépend un peu des organisations, du secteur, des pays, mais on est entre 30 et 55% chaque année des besoins financiers. Donc l'édition de 2012, comme je le disais, elle a été très très populaire. On a près de 75 000 utilisateurs dans plus de 50 pays, 14 traductions. Il y avait déjà une traduction en français. 18 pays l'ont contextualisé. Alors, on reviendra sur l'exemple du Niger un petit peu après, mais on a à peu près un tiers des pays qui venaient de l'Afrique francophone. En tout cas, à ma connaissance, peut-être il en manque quelques-uns. C'est ce que j'ai surligné en bleu. On a aussi sur des standards qui sont extrêmement téléchargés, utilisés dans les nouvelles applications. Peut-être ce qui est ressorti un peu dans la contextualisation dans la région, c'est que en fait les processus ont été
inclusifs, c'est-à-dire ont essayé non pas de se limiter aux simples acteurs de la protection, c'est-à-dire plutôt à la communauté humanitaire, mais aussi il y a eu beaucoup d'efforts pour inclure les partenaires de la partie nationale, des communautés, dans certains contextes même des enfants. Ça s'est fait de manière décentralisée et en fait c'est souvent, et ce sera probablement une des questions à poser en 2020-2021 lors de la contextualisation des nouveaux standards, c'est souvent le processus qui est plus important que le format lui-même parce qu'il permet d'ouvrir un espace de dialogue sur des questions de protection de l'enfant. Il permet de sensibiliser un grand nombre d'acteurs. Les standards de 2012 ont permis de s'accorder un peu sur les définitions, sur les indicateurs, même si on va le voir, il y a eu une amélioration à ce niveau-là. Ça permet de faire du plaidoyer, de définir les priorités, de parler le même langage et peut-être au niveau de l'UNICEF, vous savez, on est en charge, on joue un rôle assez important dans la coordination de la réponse humanitaire. Et si vous voulez, ça a permis d'avoir une vision beaucoup plus harmonisée de la région, des besoins, des variations, et ainsi d'ouvrir un dialogue beaucoup plus constructif avec des acteurs qui ne sont pas familiers avec le domaine de la protection. Pourquoi il y a eu une révision de la version de 2012? Bon, il y avait certains principes fondamentaux qui étaient peut-être mis de côté ou peut-être pas abordés de manière transversale. Et donc, ça ressortait, il y avait un peu cette déconnexion entre des principes fondamentaux et les standards et normes qui étaient abordés. Il y avait des problèmes en termes d'indicateurs qui n'étaient pas toujours les mieux adaptés. Il y a eu des nouveaux outils, on verra ça plus tard, qui ont été mis en place maintenant avec la nouvelle version. Il y a eu aussi un grand shift, alors pas seulement quoi, dans le cadre du sommet humanitaire, mais sur un peu l'approche. Bon, le rôle des acteurs locaux, et là je crois que pour notre région c'est central quand on parle de problèmes d'accessibilité, de problèmes de crise très longue et très prolongée, le rôle des acteurs locaux est devenu central. Et en fait, les standards sont appelés sont appelés à devenir quand même le pierre angulaire, le socle de la réflexion. Il y avait un besoin un peu plus de travailler sur les questions de redevabilité et d'inclusion. Aussi, le volet de prévention qui n'était pas toujours bien abordé dans le cas des standards 2012 et une intégration et une collaboration intersectorielle un peu plus forte, même si encore, moi je me souviens en 2012, on s'était basé sur les standards pour faire tout un travail de mainstreaming avec les autres clusters. Mais on était aussi à un démarrage à l'époque et je pense que les nouveaux standards apportent de nouveaux outils, facilitent la compréhension et les interactions avec les autres secteurs. D'autres domaines qui ont été, alors j'aime bien la traduction, mais d'autres domaines qui ont été abordés, tout ce qui est cash transfer et les vouchers, les bons, qui étaient peu abordé dans la version 2012, un peu plus de définition autour des problèmes liés au genre, des préoccupations au niveau environnemental et encore une fois là aussi pour la région, ça va être c'est déjà un des moteurs d'un nombre assez important de crises, ça risque de les amplifier. On est un début malheureusement d'un cycle qui va être très très compliqué pour la région. Et aussi un peu des questions de programmation mobile. On est une des régions extrêmement touchées par les déplacements, que ce soit des IDPs, des réfugiés. On a une très forte population qui est en mobilité, c'est-à-dire qui se rend d'un pays à un autre sans que ce soit forcément lié aux crises humanitaires. Ces standards sont là pour amener un peu, pour renforcer cette action-là. Une des choses aussi qui avait été amenée par la région, peut-être j'en ai peu parlé et qui est extrêmement pertinente à l'heure actuelle, c'était les limites au niveau de tout ce qui était disease outbreak, les pandémies et notamment un travail qui avait été amené, qui avait été initié par la Guinée à l'époque, lors de la crise Ebola, sur les standards, et qui montrait en fait que les standards n'abordaient très partiellement ces questions-là, sur la base duquel l'Alliance a fait tout un travail de consolidation sur la protection dans le cadre des pandémies, et qui nous sert maintenant aujourd'hui en retour pour la réponse COVID.
Bon, elle devait aussi toucher les situations maladies infectieuses, j'en ai parlé, les enfants et familles réfugiées, déplacées, j'en ai aussi parlé, les zones urbaines qui deviennent une des problématiques aussi, alors centrales peut-être moins dans les crises humanitaires qu'on vit dans la région, quoique maintenant avec le Covid, on s'aperçoit que c'est un des marqueurs très forts, c'est-à-dire qu'on a une déconnexion entre les crises, les zones de réponse humanitaire et les zones urbaines qui sont plus fortement touchées. Et aussi, bien évidemment, toutes les questions liées à l'Internet, aux nouveaux, je ne sais pas si on peut les appeler les nouveaux maintenant, mais voilà, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et comment on les prend en compte. Donc, le processus de révision, donc, il a été inclusif avec l'appui de nombreux experts, avec des consultations nationales et régionales. Il s'est fait sur 24 mois. Il y a eu à la fois des contributeurs individuels, près de 2000, plus de 1000 participants qui ont été consultés, 82 pays, 85 agences représentées. Voilà, je vous passe un peu tous les chiffres. Mais juste pour dire que c'est un travail extrêmement de fond qui a impliqué vraiment, qui a essayé d'être inclusif au maximum. C'est pour ça que ça a été aussi un processus assez long de 2 mois et aussi avec un effort, et ça, on ne peut que saluer l'Alliance à ce niveau-là, quoi, les membres de l'Alliance, qui sont nous-mêmes d'ailleurs, mais sur la tentative quand même de connecter la réflexion théorique et l'expérience de terrain pour qu'il y ait une alimentation continue entre les deux. Voilà, j'en ai terminé pour l'introduction. Merci beaucoup, Yann. Ça a été intéressant surtout de revenir un peu sur les différents contextes et comment également vous avez pu les adapter sur la base du besoin. Maintenant, on va pas tarder, on va directement passer la parole à nos collègues du Niger qui vont nous parler d'un contexte spécifique, comment ils ont contextualisé les standards. En l'occurrence, Mireille est actuellement spécialiste en protection de l'enfance au Niger pour l'UNICEF. Elle a travaillé dans le continent presque depuis 10 ans maintenant et elle s'est beaucoup engagée sur les thématiques de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réintégration, mais également, elle a beaucoup travaillé sur la protection de l'enfance. Donc oui, mon nom est Muriel Palares, je travaille avec l'UNICEF. Je vais vous présenter le processus de contextualisation des standards minimums de protection de l'enfance de 2012 au contexte du Niger. Donc bon, je suis de l'UNICEF, j'ai travaillé dans ce processus avec la coordonnatrice du sous-cluster protection de l'enfance dans le temps. Et il y a eu un changement de la coordinatrice, donc notre collègue qui est ici de peu près un peu plus d'un an, Emmanuel Hogg, va pouvoir également participer et parler un peu des perspectives futures. Donc, je vais présenter brièvement la situation du Niger. Le Niger fait quand même face à plusieurs conflits. Donc, déjà depuis 2015, dans la région de Diffa, du bassin des lacs Tchad, avec la présence des groupes armés non étatiques de Boko Haram. Puis avec la frontière du Burkina Faso et du Mali dans la région du Sahel avec des groupes armés non étatiques, et ceci depuis à peu près 2017. Il y a aussi depuis 2019 une nouvelle situation de déplacement des réfugiés du Nigeria vers le Niger suite à des exactions de groupes non identifiés, ce qui fait que c'est un pays qui fait face à sur plusieurs fronts et plusieurs frontières à des problématiques sécuritaires, mais également sans oublier la question des enfants mobilité, puisque le Niger est quand même un pays de transit pour les mouvements de l'Afrique de l'Ouest vers la Libye ou vers l'Algérie. De là, bien évidemment, plusieurs problèmes de protection de l'enfance. Donc, il y a les problèmes justement de psychosocial, santé mentale, la présence d'enfants séparés non accompagnés, les enfants associés aux forces et groupes armés, les violences, abus et également, malheureusement, un taux élevé de mariage des enfants. Ce qui fait qu'au niveau du Niger, il y a la présence des clusters dans le sous-cluster protection de l'enfance, qui est sous le lead de l'UNICEF et co-lead du ministère de la promotion de la femme protection de l'enfance, et qui a des groupes techniques au niveau de différentes régions, dont Diffa et Tillaberi. Donc voilà pour un peu contextualiser le Niger. Maintenant, je voulais revenir un peu sur la contextualisation des standards minimums de protection de l'enfance et des bénéfices.
D'abord, bon, il y a déjà eu des discussions dès 2016 sur des formations bien spécifiques sur les standards minimums de protection de l'enfance auprès des membres qui a eu lieu en 2017. Et les discussions ont continué pour un financement pour la contextualisation de ces standards de protection de l'enfance par Terre des Hommes Lausanne. Et c'est au travers d'un consultant avec Save the Children International que le processus de contextualisation a été mis en place. Les objectifs étaient quand même assez clairs. C'était vraiment adapter les standards au contexte actuel et appuyer davantage les acteurs dans leur travail, avec des indicateurs clairs, des marches à suivre aussi simples pour que tous les acteurs puissent se référer à cet outil. C'était évidemment impliquer les régions en situation de conflit au travers des groupes de travail. Donc, on n'est pas resté au niveau national, mais on a bien demandé aux régions de s'impliquer dans cette contextualisation. Nous avons eu aussi comme objectif d'impliquer les ONG nationales et les acteurs étatiques. Donc, ce qui a été fait au travers de cette stratégie de localisation. Et puis, un point important sur lequel nous revenons souvent, c'est cette dynamique multisectorielle. Et donc, il y avait l'implication des acteurs, notamment du cluster éducation, du sous-cluster VBG, etc. Les étapes étaient quand même assez claires. C'était d'abord mettre en place des groupes de travail par région, puis sélectionner des standards à contextualiser. Donc, il y a eu des sessions de réflexion sur quels étaient les standards qui devaient être contextualisés, sachant que nous n'avions pas la possibilité de contextualiser tous les standards actuels du CPME 2012. Et de là, donc, ces groupes d'expertise dans les trois régions ont été mis en place pour discuter spécifiquement des standards sélectionnés. Au niveau de Niamey, donc, nous avons fait d'abord un atelier de 2 à 3 jours pour regarder ces standards et commencer à faire des changements, à discuter sur les aspects à revoir. Puis, ces drafts ont été envoyés au niveau des régions de DIFA et Tillabéri pour leurs inputs et leurs réflexions, ce qui a amené à des ateliers et à un retour au niveau national pour la validation de cette contextualisation. Les résultats sont assez intéressants. Donc, on a pu quand même impliquer 110 membres constitués des ministères de la protection de l'enfance, constitués du ministère de l'action humanitaire, ministère de la justice, les ONG nationales et internationales, les agences des UN et aussi le CICR. Nous avons été aussi, le sous-cluster a été parrainé par le Premier ministre même et une remise officielle de cette contextualisation a été faite au niveau de la primature en octobre 2018. Il y a eu donc des copies en hard qui ont été partagées, mais également un document sur PDF qui permet justement une diffusion vraiment à tous les acteurs. Et pour évidemment s'assurer du principe de participation des jeunes, un jeune dessinateur de l'Association des enfants et des jeunes travailleurs du Niger a été impliqué, était présent pour également dessiner chaque standard et comprendre ces standards à sa manière. Donc voilà, brièvement, je vais assez rapidement puisque on met un peu tout ensemble. Donc, au niveau des bonnes pratiques, donc déjà, comme vous avez vu dans le processus, c'est un processus participatif et également une implication forte des structures étatiques, particulièrement aussi au niveau des groupes de travail dans les régions, la justice, la police, il y a eu aussi l'administration pénitentiaire, des services de protection. Donc, l'objectif principal a été vraiment atteint, cette appropriation nationale, puisque justement, ça a été également validé par le ministère de la protection de l'enfance et parrainé par la primature. Nous avons eu une très bonne intégration des ONG nationales dans les discussions, de très vives discussions, et une intégration des standards dans les programmes. Je vais passer rapidement sur des exemples. Donc déjà, la plus-value de cette contextualisation, c'était le lieu d'un aide-mémoire, un outil de référence auprès des ONG nationales. Le standard minimum a plus de 300 pages, tandis que la contextualisation n'a pu diminuer sur les 6 standards principaux qui avaient été sélectionnés pour le pays à 67 pages. Donc, un outil beaucoup plus facile à utiliser. Par exemple, si je reviens sur différents standards que nous avons contextualisés, il y a eu quand même vulgarisation de ces standards par certains acteurs de protection de l'enfance dans des cadres précis, donc des discussions bien spécifiques dans des régions où la situation malheureusement s'est détériorée et c'était de voir comment travailler auprès des relais communautaires, auprès des mécanismes dans la réponse
de protection de l'enfance. Donc, il y a eu quand même de très bons échanges à ce niveau-là pour essayer d'adapter spécifiquement à une région spécifique. Il y a eu aussi le standard 11 sur la question des enfants associés aux forces et groupes armés. Donc, un très bon dialogue avec les acteurs de la justice, notamment à Tillabéri, où le juge pour mineurs, la brigade pour mineurs, etc., ont participé aux réunions. Et plusieurs questions sont revenues, puisqu'il y a une stratégie qui était déjà mise en place au niveau de DIFA, et nous voulions la transférer aussi comme bonne pratique au niveau de Tillabéri. Mais la situation étant un peu différente, c'était intéressant de revoir et de contextualiser aussi dans la région spécifique. Et une des discussions qui était très intéressante, c'était est-ce qu'on doit vraiment utiliser l'acronyme AFGA, puisque est-ce que les enfants sont associés aussi aux forces armées et non pas seulement aux groupes armés. Donc, une très bonne discussion s'en est suivie pour essayer d'intégrer ça dans la réponse à l'accompagnement des AFGA dans la région. Il y a également le standard 9 concernant les violences sexuelles. Il y a, en même temps que la contextualisation des standards minimums, une initiative CASI, donc Child and Adolescent Survivor Initiative, qui a été mise en place aussi au Niger pour assurer une qualité d'intervention des VBJ en protection de l'enfance. Et donc, autant les indicateurs ont été partagés, discutés au sein des groupes de travail, mais intégrés dans cette contextualisation. Donc, ça, c'était une très bonne pratique, une très bonne discussion qui a été faite. Et le standard 15 de gestion de cas, le Niger aussi est en train de mettre en place le CPIMS, donc le système de gestion de l'information primero. Et le consultant qui est avec nous depuis 2018 utilise spécifiquement cette contextualisation des standards comme point de départ pour l'élaboration des procédures de gestion de cas. Et il utilise cette contextualisation comme document de base autant avec les acteurs du gouvernement que les acteurs des groupes de travail, parce qu'il voit aussi une base quasi légale de ce document puisqu'il a été validé par la primature et donc approprié par le gouvernement même. Au niveau des recommandations, c'est-à-dire ce qu'on suggère justement dans cette contextualisation, c'est vraiment de renforcer d'abord les capacités des acteurs sur l'utilisation des standards. Et donc là, c'est les standards 2019 pour devenir un outil de référence et aussi utiliser les indicateurs dans la rédaction de projets. La deuxième recommandation est de justement continuer cette vulgarisation, renforcer le suivi et la coordination de réponses en ayant cette contextualisation vraiment en main dans les discussions et les réunions. Et une des recommandations qui est revenue par certains membres du sous-cluster, c'était justement reviser la contextualisation des standards minimums de 2012 pour la prise en compte des nouveaux standards de 2019. Donc, je crois que je suis allée assez rapidement, mais on essaye ça de faire dans un délai assez court. Maintenant, je vais laisser la parole à Emmanuelle Hogg, qui est la coordonnatrice du sous-cluster protection de l'enfance, pour parler des perspectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel, pour ces explications. Et je pense que l'exemple du Niger est assez parlant et ça nous rappelle l'idée de la contextualisation, finalement, qui n'est pas qu'une traduction, qui est dans les idées reçues, et que ça passe effectivement par une appropriation nationale avec des discussions avec les acteurs au niveau national, mais également les organisations qui sont impliquées dans des programmes afin de faciliter son utilisation. On voit largement que ça a été, en termes de volume, ça a été adapté sur la base des programmes, des thématiques qui étaient spécifiques dans votre contexte et ce qui est pertinent finalement. Donc, bonjour, je suis Emmanuelle, coordinatrice sous cluster du protection de l'enfance. Rapidement pour les perspectives à venir, je crois que l'objectif pour le sous-cluster, ça sera d'essayer de créer une assimilation plus profonde des standards minimums au niveau de plusieurs couches d'acteurs protection de l'enfance, c'est-à-dire pour les ministères et les acteurs des ONG au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et de faire participer les relais communautaires, mais aussi les bénéficiaires, en leur présentant ces standards comme des services protection de l'enfance. Donc, plan international à contextualiser les nouveaux standards pour le lac Tchad, avec un contenu innovant d'illustrations, mais aussi de podcasts, qui vont permettre du coup de localiser ces standards en utilisant la technologie des téléphones
Tout ça, ça sera fait pas seulement en langue française, mais aussi en langue locale. Donc, grâce à l'utilisation de ce matériel, on va développer une stratégie de diffusion avec comme objectif de créer effectivement une assimilation des standards par toutes les couches de personnes touchées par la protection de l'enfance au Niger. Et évidemment, ce travail sera fait en complémentarité de ce qui a été fait précédemment, donc sur des standards non travaillés au préalable ou au contraire des standards très essentiels. Je redonne la parole. Et sans pour autant tarder, je vais passer la parole à Johanna qui va nous parler de cette nouvelle édition de 2019. Super, merci. Donc, ça c'est Johanna maintenant. Je vais faire la présentation sur l'édition de 2019, la nouvelle édition. Donc, j'espère que vous pouvez voir, m'entendre et voir l'écran, les slides. Les SMPE restent un outil de collaboration interagence. Il établit des liens avec des nouvelles initiatives comme la norme humanitaire fondamentale, INSPIRE, l'initiative mondiale des 7 stratégies, et aussi les standards d'inclusion humanitaire. En plus, évidemment, il y a toujours des liens avec SPHERE, INEE, etc. Nous avons vraiment senti que la structure et les designs de l'édition de 2012 avaient résisté à l'épreuve du temps. Donc, on a utilisé le même bon design. Le code couleur est le même, les onglets pour trouver les standards, la rayure spirale sur la copie, le hard copy. Mais nous avons ajouté des icônes surtout pour nous rappeler les liens à établir et les questions transversales à prendre en compte. Et voilà quelques icônes qu'on a utilisées dans le pilier 4. Mais on va faire un petit jeu de devinettes avec vous autres. Lorsque je clique sur une icône, écrivez dans le chat box ce que vous pensez que cela signifie. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez voir un petit icône de 3 personnes et une flèche. Et je demande à Adama de me dire ce qu'il y a dans le chat box. Alors, on a famille en déplacement, on a IDP, on a également accompagnement des enfants. Très bien. Donc, ça, c'est le déplacement. Il y a une autre icône au fond de l'écran. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça signifie dans l'édition 2019? On a counseling, on a education, on a aussi social work, on parle d'entretien de gestion de cas. Très bien, donc la gestion de cas, c'est ça? À gauche, on a 3 petites personnes. On a 3 personnes. On a leadership des enfants séparés et ENA. On a aussi, on a encore enfants séparés, ENA, on a adolescents, enfants et adolescents. Intéressant, d'accord. Donc, ça, c'est l'icône qu'on utilise pour la petite enfance. Et je viens de mettre une autre icône et ça, c'est pour l'adolescence. On peut voir que celui qui est foncé est le plus grand. Mmh. Une autre icône en haut à droite. On a pandémie, COVID, on a virus, coronavirus, COVID-19. Ouais. On a beaucoup de propositions de Corona. C'est ça. Donc, évidemment, on n'a pas su que ce sera Corona, mais c'est l'icône qu'on utilise pour les épidémies des maladies infectieuses. Voilà une autre icône avec la flèche. On a recherche, pas mal. On a indication. Très bien. On a guidance et orientation. Oui, c'est les indicateurs. C'est ça. Et au centre de l'écran, on a la main. La protection des plus vulnérables. On a encore protection de l'enfance, support. Très bien. Donc, ça, c'est la sauvegarde. On utilise ça dans tout le manuel pour indiquer la sauvegarde. Et le dernier icône à gauche, en haut à gauche. On a adulte comme proposition. On a bouclier pour enfants. <C'est original. rire> Ouais. On a sécurité de l'enfant, environnement D'accord. protecteur. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué, pas aussi simple, c'est l'icône qu'on utilise pour la prévention. Et ici, voilà la liste de toutes les icônes qu'on utilise maintenant dans la nouvelle édition. Donc, je vous encourage de rechercher les icônes intersectorielles dans le manuel et de réfléchir à ce qu'elles signifient pour notre façon de travailler.
Voilà maintenant l'édition 2012 que vous connaissez. Ça, c'est l'édition de 2019. Donc, on a 28 standards sur les mêmes 4 piliers et on peut voir aussi nos 10 principes. Les principes n'ont pas changé, mais je crois comme Yann a mentionné, on a décidé de les tous regrouper dans une même section et insérer dans chaque standard pour les garder en tête et continuer assez rapidement. L'édition 2019, comme l'autre édition, a une introduction générale et ça fournit une explication plus approfondie de la protection de l'enfance, de son fondement juridique international, des SMPE, à qui sont-ils destinés, comment est-ce qu'ils ont été développés, comme Yann a expliqué, comment les utiliser, etc. Des liens avec d'autres standards comme SPHERE et INEE, et aussi des questions sectorielles. Et vraiment, c'est un excellent aperçu pour les nouveaux employés ou les collègues impliqués dans des programmes de développement pour comprendre vraiment le contexte humanitaire. Bon, le premier pilier, ça n'a pas beaucoup changé. C'est pour assurer une réponse de qualité. Standard 1 mérite une explication supplémentaire car c'est un peu différent. Le CPAOR mondial et le HCR ont élaboré conjointement ce standard et il explique clairement à quoi s'attendre et comment s'impliquer dans les structures de coordination dans ces deux contextes assez différents. Et je crois que Vincent va peut-être parler un peu plus sur ce standard. Et aussi, je veux stresser qu'à travers l'ensemble du pilier, mais aussi le document, on souligne l'importance de la sauvegarde de l'enfance avec cette icône, par exemple. C'est un peu la nouveauté. On n'a pas autant stressé le PSEA dans la première édition. Donc, on a vraiment voulu que ça soit plus approfondi et plus clair. Donc, la nouvelle édition. Avant d'examiner des modifications dans le pilier 2, j'aimerais souligner la nature interconnectée de tous ces standards. Oui, on sait bien que c'est un enfant, on travaille avec un enfant. Après tout, il a la vie d'une famille. Et c'est pas vraiment, on ne veut pas avoir les sous-sections d'une personne, on veut voir la personne dans sa complexité, etc. Donc, on a changé de standard en particulier, standard 8 sur la maltraitance physique et psychologique. Ici, on a mis la question de la négligence et l'abus émotionnel et on a vraiment essayé de refléter les nouvelles épreuves sur le sujet. Et je ne vais pas entrer en détail ici, peut-être dans la période des questions, ou peut-être dans un webinaire spécifique, on peut entrer en discussion sur le standard 8 ou aussi sur le standard 9, car c'est un peu différent aussi de l'autre édition. Ça englobe plus largement la violence basée sur le genre. Ça reflète l'inégalité de genre comme une cause première. Ça parle plus des normes sociales et de genre et comment ça peut changer ou non dans un contexte humanitaire. Et ça renforce, avec nos collègues de SGBV, l'approche centrée sur le survivant, surtout le survivant enfant. Bon, le pilier 3, je crois que dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous parlez beaucoup maintenant, pas seulement sur l'approche systématique, mais aussi sur le modèle socio-écologique qui lien beaucoup avec l'initiative INSPIRE. Le modèle socio-écologique fournit un cadre concret qui soutient une réflexion en termes des systèmes pour les programmes de protection de l'enfance. Comme vous savez, il examine l'ensemble d'une situation pour identifier tous les différents éléments et facteurs et comprend comment ils sont liés, surtout, et interagissent les uns avec les autres. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans ce pilier. Pardon, ce n'est pas le bon dessin à gauche, mais... Il y a les nouveaux standards sur le renforcement des milieux familiaux et des prises en charge des enfants. Et on a séparé la protection de remplacement et on a décidé de le faire comme un standard séparé, un standard unique. Mais avec la recherche, etc., on a mis à jour important sur le standard 15. Ce n'est pas que les EAE, les Child Friendly Spaces,
mais on parle en gros des autres méthodes pour travailler avec les enfants en groupe. Il y a une mise à jour sur standard 17, travailler au niveau de la communauté, travailler avec la communauté, et aussi avec le standard 20, qui est la justice pour les enfants, et vraiment de l'envisager comme une grande stratégie de protection et non pas que les procès, etc. Donc, rapidement, on passe au pilier 4. Cette édition 2019 tente de trouver un équilibre entre des programmes spécifiques de la protection de l'enfance, mais aussi une collaboration plus étroite avec d'autres, avec les autres secteurs. Cela peut prendre différentes formes et évidemment varier selon le contexte, mais ils doivent être cependant balancés avec les exigences d'un contexte spécifique. Et le savoir émerge d'une compréhension approfondie des forces et des besoins des enfants, de leur famille, le système de protection. Donc, vraiment, c'est à vous à explorer et savoir avec les autres secteurs. Est-ce que c'est bien d'avoir une collaboration intégrée ou le mainstreaming ou la programmation jointe, etc. Donc, chaque contexte est un peu différent, donc l'approche est un peu différente. On a des nouveaux standards sur la sécurité alimentaire et la protection des enfants, et aussi un moyen de subsistance et protection de l'enfance. On n'a pas de standards sur la distribution, ça c'est plutôt intégré à travers tout le pilier. Et dans chaque standard, on a des actions clés pour les acteurs, nous autres, les acteurs de la protection de l'enfance, mais aussi les acteurs sectoriels. Et une troisième section sur les actions ou les approches pour tout le monde qui s'engage sur l'éducation ou la nutrition, etc., etc. Bon, on passe aux annexes. Les annexes dans le manuel sont relativement inchangées. Mais en ligne, vous allez trouver quatre annexes, surtout un glossaire complet. Et c'est très intéressant, je crois, pour tout le monde, mais surtout les gens qui sont nouveaux à un contexte humanitaire ou à la protection de l'enfance. Il y a une liste de ressources en français et ce document sera mis à jour tous les 6 mois à peu près. Et un ajout majeur, c'est le tableau d'indicateurs. Donc, évidemment, il y a des indicateurs, comme on a vu avec l'icône, dans le manuel, mais on n'a que peut-être 2, 3, 4 indicateurs pour chaque standard dans le manuel lui-même. Mais dans l'annexe, on a un tableau d'indicateurs beaucoup plus complet. Donc, je vous invite de consulter ces annexes-là. Et enfin, si on a besoin de plus que la version imprimée, on peut aller sur le site web de Partenariat pour les normes humanitaires. On peut trouver le manuel interactif là et sur SPHERE, le site web de SPHERE. On peut aussi trouver et télécharger l'application de HSP. Comme Yann a dit, c'est très, très populaire. Et sur le site web de l'Alliance, vous trouverez le PDF téléchargeable lui-même, un résumé de 28 pages. Donc, c'est très intéressant car le manuel est très lourd. Mais pour les gens qui n'ont pas besoin de tout le manuel, c'est intéressant d'utiliser le résumé. Et aussi ce briefing pack que je viens de vous présenter, de Quoi de neuf, et les 4 annexes aussi. Donc, c'est ça, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Adama et je suis prête à prendre les questions dans la période de discussion. Merci. Merci beaucoup, Johanna, pour ces explications détaillées. Pour l'instant, je vais donner la parole à Vincent. Vincent est actuellement responsable de protection à base communautaire au sein du bureau régional d'HCR, Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a occupé plusieurs postes de protection sur le terrain avec l'HCR et à travers différents continents, tel que l'Afrique. Vincent, si tu nous entends, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, très vite, des mots de remerciement vraiment chaleureux en ces temps difficiles de voir autant d'experts et de praticiens de la protection de l'enfance qui se sont mobilisés. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant. Remercier Johanna de l'Alliance et puis l'AOR, Adama et tous les partenaires pour avoir contribué à ce processus. Très important, le processus, la fin, les moyens, ça a été très inclusif, donc je voudrais vous remercier au nom du HCR là-dessus. Donc je travaille avec le commissaire aux réfugiés, on a été associés
de façon très rapprochée à la révision de l'applicabilité de ces normes et de ces standards dans les contextes de déplacement forcé, puisque par définition les standards sont génériques et on voyait depuis quelques années comme communauté humanitaire des besoins de contextualisation pour les personnes qui soient réfugiées, demandeurs d'asile, des personnes déplacées internes, mais également des apatrides, également des returnees, des rapatriés, et également les personnes en besoin de protection internationale qui sont prises dans des flux migratoires mixtes aux côtés de migrants économiques, de migrants saisonniers, de victimes de trafic, de traite, etc. Donc tout ça était un gap, un vide qui est aujourd'hui résolu, et je vais essayer de plaider avec quelques exemples concrets. Les concepts aussi et les définitions, qu'elles soient légales ou plus amples, autour de la question des réfugiés sont désormais transversalisés, mainstream, tout au long du document, et pas seulement comme une niche et comme un silo un petit peu à part. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les consultations ont également été faites pendant le processus de consultation avec des focus group discussions, dans des camps de réfugiés notamment. Donc ça, ce sont des éléments importants. Pour nous, le mandat n'a pas changé depuis 1950. C'est le travail de protection, d'assistance et de recherche de solutions. Donc au niveau global, on a 25 millions de réfugiés, 45 millions de déplacés internes, 11 millions d'apartheid, etc. Dans la région, c'est à peu près 10 millions de personnes, dont 5 millions d'enfants. Et donc, ce que ça permet, en fait, premier grand message, à mon avis, c'est cette intersectionnalité, ce côté intermutable et interconnecté entre les standards qui permet un peu de renforcer tout ce qui est protection communautaire et renforcer la résilience, que ce soit la sphère familiale, je dirais individuelle, mais aussi l'approche communautaire. Et donc ça permet également de renforcer les mécanismes de protection de l'enfance et d'aider les personnes aussi à faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est trois valeurs ajoutées que je vois déjà dans cette phase d'application des standards des SMPE. Des défis propres aux réfugiés sont très bien reflétés dans le standard 1, par exemple, tout ce qui est la coordination, donc tout ce qui est cluster pour les IDP, tout ce qui est Refugee Coordination Model, mais aussi HRP, HNO, donc tout ce qui est mécanisme de coordination. Donc, comment impliquer les autorités, les agences qui ne voient pas forcément les besoins spécifiques des enfants en déplacement forcé, les organisations de la société civile, les populations touchées, comment coordonner tous ces efforts de façon un peu plus efficace, peut-être un peu plus efficiente. Donc, amener tout le monde à bord autour de même objectif, adapter ensuite en fonction des caractéristiques des populations, en fonction des crises, quel type de crise nous faisons face. Yann l'a rappelé en début, il y a parfois des crises multiples, y compris des thèmes environnementaux qui alimentent et exacerbent les déplacements forcés. Donc tout ça permet un peu de coordonner des acteurs pas forcément experts dans la protection de l'enfance. Et ce standard 1 s'adresse à la fois aux responsables de groupes de coordination, aux membres, et ça permet, nous le pensons, nous le voyons déjà, de faire un travail comme la collègue du Niger l'a rappelé. Le standard 18 sur la gestion des cas, les procédures d'intérêt supérieur également, mais il y a aussi le standard 28 sur le CCCM, hein, en anglais, la coordination dans les camps et le management, la gestion des camps. Le management de l'information, très important pour le travail de protection des déplacés et des réfugiés. Donc, ce sont des exemples concrets. Bon, intégration, considération spécifique pour les filles, les garçons, les familles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste plusieurs exemples, ça me paraît le plus important, le plus utile peut-être. Le standard 11, donc les enfants associés avec les forces armées ou les groupes armés, c'est un des nombreux exemples où les CPMS complètent les directives du HCR qui existent sur la protection des enfants réfugiés et déplacés. Et complète, ce n'est pas un mot superficiel de propagande, c'est vraiment une base qui a à voir avec le légal, mais aussi avec le socioculturel, voire avec l'économique et avec la prévention. Donc, le standard 11, les enfants associés avec des forces armées ou des groupes armés, les enfants, y compris les filles ou recrutés, sont souvent forcés d'assister, comme vous le savez, à subir ou eux-mêmes à commettre des actes d'exploitation, d'abus, de violence. Et dans certains pays de la région, on le voit au Niger, on le voit au Burkina, on le voit au Mali, on doit faire un plaidoyer ensemble. On doit travailler de façon beaucoup plus ciblée les programmes de réintégration, les programmes de prévention. Et c'est vrai qu'au niveau global et au niveau régional, on fait tous un petit peu dans notre coin. J'espère que la connexion est toujours stable. Je suis en compétition avec les enfants qui ont leur école en même temps. J'espère que ça va tenir. Sinon, vous vous contenterez des slides. Donc, faire un plaidoyer ensemble là-dessus pour libérer les enfants qui sont détenus également. Le lien avec l'accès à l'asile. Tout ce standard permet ce travail très concrètement,
qui est parfois encore fait de façon isolée comme agence. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous interpelle et qui nous permet de travailler un peu plus davantage ensemble, notamment dans les zones de frontières pour ce standard-là. Le standard 13, très vite, les enfants non accompagnés séparés de leur famille. Donc évidemment, les thèmes de détresse émotionnelle, les séparations, on le sait, aggravent d'autres risques et d'autres préoccupations, je dirais. Donc là aussi, on peut faire l'intersection avec l'accès à l'asile, les thèmes concrets de réponse et de réunification familiale. Donc s'assurer qu'il y ait une prise en charge intérimaire de qualité, basée sur la communauté, sur la famille, quand c'est possible, je dirais, quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est ce standard-là qui complète un peu les directives du HCR. Ensuite, gestion de cas, le standard 18. Donc, pouvoir identifier un plan individualisé, un soutien adapté aux besoins de ces mineurs, que ce soit de façon directe, je dirais, et une mise en relation, un référencement avec les prestataires de services pertinents. Donc, on rentre un peu dans les détails là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des besoins spécifiques, des dynamiques spécifiques aux enfants, en particulier réfugiés et déplacés internes, qui n'était pas reflété auparavant et aujourd'hui va peut-être permettre d'avoir une approche un peu plus intégrale de la gestion des cas. Je vais aller très vite sur la mention, vous voyez sur les slides, les procédures d'intérêt supérieur, l'accès à l'asile, l'accès aux services sans discrimination. Je pense également au thème de la non-détention, et on a énormément de détention de mineurs dans certains pays de la région et ailleurs, et les interventions de cash, non, d'aide en espèces. Deux standards très vite, le 19, tout ce qui est alternative care, c'est-à-dire protection de remplacement. Donc cette prise en charge est très importante au niveau des camps formels ou des sites spontanés ou des villages d'accueil et parmi les communautés d'accueil en particulier pour le million de déplacés internes. On a atteint le million au Burkina par exemple, mais également au Cameroun, également au Nigeria. Donc comment adapter à chaque contexte ces dynamiques-là? Comment renforcer? Je pense qu'on est une communauté humanitaire là-dessus, en particulier au vu des besoins spécifiques exacerbés des personnes en situation de déplacement. Et enfin, un standard 23 aussi, pour essayer de ne pas plaider dans l'air, mais d'être concret, là, c'est l'éducation. Et je pense que c'est aussi une opportunité pour travailler bien plus fortement entre les secteurs protection de l'enfance et éducation. C'est évident qu'un accès insuffisant, qui l'était déjà, avec beaucoup d'écoles sous attaque dans notre région, et désormais avec le Covid, l'accès insuffisant a des conséquences extrêmement néfastes et directes sur le welfare, le bien-être, le développement des enfants, leur standard de droits humains fondamentaux. Donc tout cela est absolument important pour expliquer aux acteurs de l'éducation comment intégrer des normes simples, faisables, pratiques sur la protection de l'enfance et vice-versa, comment mobiliser les professeurs, les comités, etc. Je pense que je suis dans les temps. Donc, pour finir cette slide, voir un peu les opportunités de collaboration sur ces standards, sur ces normes, sur ces trois piliers en particulier, et favoriser donc l'éducation comme outil de protection de l'enfance. Et en tout cas, en tant que HCR, depuis 3 ans, nous avons énormément renforcé notre politique d'inclusion aux curriculums locaux, et c'est quelque chose d'important à souligner. Ensuite, très vite, parler du Covid. On le sait, on a des retours régionaux qui nous ont permis aussi d'appliquer certains des standards. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment une rupture des problèmes de séparation familiale, qui sont dus aussi aux restrictions de mouvement pour les demandeurs d'asile. On le voit déjà. Donc, un accès réduit aux soutiens sociaux, une détresse psychologique très forte pour cette sous-catégorie-là, et donc des risques aussi accrus de violence intrafamiliale, dans la sphère familiale, l'isolement qui exacerbe cela, des risques d'abus de violence, mais également pour les children on the move, y compris des enfants réfugiés. Des risques accrus donc d'abus, de négligence, de violence, mais aussi, je dirais, la perturbation du mode de vie qui affecte tous les enfants du monde, évidemment. Mais les relations, l'effondrement des sphères de protection familiale et communautaire et également des normes autour, et la peur elle-même de la maladie est extrêmement forte chez les enfants déplacés en situation de camp. Donc ça, ce sont des concerns très forts que nous avons, que nous voyons, entre autres termes. Donc le virus ne discrimine pas évidemment, mais on voit que les personnes déplacées forcées en particulier vivent souvent dans des abris de fortune. C'est à peu près la moitié sont des enfants. Donc dans des zones urbaines, très peu desservies traditionnellement, encore moins en période de pandémie. Donc un problème d'accès à l'eau, d'assainissement. Donc évidemment, la distance physique, je ne veux plus dire distance sociale, il faudrait qu'on change peut-être cette terminologie. Je pense que l'Union africaine a commencé à le faire. La distance physique est évidemment très importante mais difficile.
Donc, pour certaines de ces raisons, réfugiés, déplacés, migrants aussi, peuvent être plus vulnérables et plus à risque que la plupart des autres populations. Donc, les restrictions aggravent un petit peu ces problèmes. Et il y a les suspensions de tous les programmes de rapatriement, notamment vers la Centrafrique, la réinstallation qui inclut beaucoup d'enfants extrêmement vulnérables vers l'Europe, vers la Nouvelle-Zélande, vers le Canada, ont été totalement suspendus, à l'exception de certains cas très urgents. Donc, tout ça fait partie des risques actuels. Et la réponse, pour aller vite et pour terminer, bon, vous vous en doutez, et je sais que ma collègue de Save va aussi peut-être mentionner quelques aspects, mais évidemment, des recommandations clés existent, et notamment travailler étroitement avec les autorités pour essayer de négocier au moins des transits spécifiques, ce qui est fait en ce moment, pour l'accès au territoire, parce que les conflits continuent pendant le Covid, et énormément de déplacés, de réfugiés, on le voit notamment dans le Liptako-Bourma, des réfugiés maliens autrefois au Burkina qui retournent au Mali, qui retrouvent des persécutions, des 23 000 personnes du Nigeria qui viennent d'arriver depuis 2 semaines dans les zones de l'est du Niger, à Maradi notamment. Donc tout cela inclut une absolue nécessité de plaidoyer là-dessus. Donc renforcer les mesures alternatives, le remplacement fondé sur la famille et la communauté, également accès à l'éducation, soutien à travers des écoles, des radios, le HR, les agences de fonds, l'apprentissage à distance, et je finis avec évidemment, possibilité de jeux, de loisirs, de choses très concrètes qui permettent de traverser cette période difficile et de trouver des alternatives. On a besoin de beaucoup de créativité. Un groupe régional de mobilisation communautaire existe et de communication de risque. Et on voit que ce qui est le plus téléchargé de notre plateforme digitale, que nous faisons HCR et OIM notamment, c'est sur la protection de l'enfance. Parmi 25 thématiques, c'est là où il y a le plus de demandes d'acteurs communautaires de base. Avoir des outils visuels, audio, de jeux et d'accès à l'information sur la prévention du Covid. Donc, j'ai essayé de respecter le temps. Je vous remercie et je reste disponible pour la fin. Merci beaucoup, Vincent. Ça a été intéressant et merci pour tous les points de plaidoyer que je pense méritent aussi une réflexion particulière. Et là, on va directement passer la parole à nos collègues de Save the Children qui vont aussi accentuer un peu sur l'utilisation des standards durant cette période de pandémie de COVID-19. Du coup, nous aurons Kassoum Yao qui travaille pour Save the Children depuis 2019. Il a également occupé plusieurs postes au sein de cette organisation, tels que facilitateur en mobilisation et participation communautaire, chargé de protection d'enfance, également responsable adjoint sur le terrain. Il est depuis 2019 coordinateur protection basé à Zinder au Niger. Kassoum, si vous êtes avec nous, je vous laisse la parole. Merci. Donc, très rapidement, je vais vous présenter l'utilisation des standards pour l'intégration de la protection dans les autres secteurs. Donc, c'est l'exemple de l'intégration à la santé. Donc, CEV, à partir de 2005, a commencé un vaste programme de prise en charge de malnutrition. Mais à partir de 2011, on s'était rendu compte que la prise en charge ne pourrait pas être seulement médico-nutritionnelle. Elle doit également être psychosociale pour que certains aspects de protection soient pris en charge. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu une formation des agents de santé et des staff protection sur la prise en charge psychosociale dans les programmes de nutrition. À partir de 2012, on avait mis en place des espaces amis des enfants au niveau des centres de santé intégrés et des cliniques qui sont au niveau des hôpitaux pour la prise en charge des aspects psychosociaux de la malnutrition. Et les agents qui étaient à ces postes-là sont supervisés par les chargés de protection au niveau de ceux-ci. On a également identifié les animateurs des espaces et on les a formés. Donc là, je vais sur les principales activités pour un peu ressortir la prise en charge de la protection au niveau de la santé. Donc au niveau de celle-ci, quand les couples mère-enfant viennent pour la prise en charge, ils sont accueillis et mis en confiance après les mesures anthropométriques. Donc au niveau des médicaux, ils passent au niveau de l'espace qui sont mis en place côte à côte. Et là, il y a la pratique systématique de l'hygiène. Donc c'est le lavage des mains pour la mère et pour l'enfant. Il y a aussi le test d'appétit qui est fait au niveau des espaces sous la supervision des animateurs des espaces amis des enfants. Donc, une fois que cela est fait, les animateurs procèdent à la sensibilisation des mères sur les thématiques de nutrition, de la santé de la mère et de l'enfant, les droits de l'enfant et la protection de l'enfant.
Donc, c'est des sensibilisations qui se font suivant un programme qu'ils établissent pour chaque semaine. Il y a les activités ludiques pour permettre aux enfants de se récréer. Et là, c'est des enfants qui se déplacent dans un contexte un peu difficile. Les centres de prise en charge prennent en compte les enfants de plusieurs localités et les mères viennent avec les enfants au dos, certaines à pied pendant sur des kilomètres. Donc, la mère et l'enfant viennent dans un état vraiment où ils ne sont pas dans leur assiette et les activités ludiques permettent aux enfants de se récréer, mais aussi à la mère de se relaxer un peu. Durant le travail, les animateurs procèdent à l'identification de tous les enfants qui présentent des signes de maltraitance ou des signes de négligence, ou souvent qui présentent un certain malaise que ceux qui prennent les mesures anthropométriques ne sont pas évidemment en vue de prendre en charge, et ils signalent aux médicaux pour que ça soit pris en charge. Donc voilà un peu en résumé les quelques activités, mais c'est des activités qui évoluent suivant les préoccupations des localités. Si je vous donne l'exemple, dans la zone de Zender, un moment avec le faible niveau d'enregistrement des naissances des enfants, on a introduit cette thématique pour que les animateurs identifient tous les enfants qui n'ont pas un acte de naissance. Et après, ils ont coordonné avec la justice pour qu'il y ait des audiences foraines pour que ces enfants puissent avoir leur extrait de naissance pour l'intégration à la santé. Dans le cadre du COVID, donc, les mesures de prévention pour lutter contre la maladie, donc, on a identifié les risques de protection liés à la pandémie. Tout ce qu'il y a comme nouveau risque ou risque accentué du fait du confinement. Et on a mis en contribution des structures communautaires de protection comme les qu'on a mis en place comme les comités villageois de protection qui sont donc à proximité des populations. Donc, on les a encadrés pour qu'ils puissent faire des sensibilisations de proximité, mais aussi profiter pour renforcer l'identification et le signalement des cas de protection. Donc, l'idée, c'était que ces comités puissent renforcer les ménages pour qu'ils puissent comprendre que la situation du COVID implique des situations de protection ou alors aggrave certains risques de protection pour les enfants. Et une fois que ces parents la sont sensibilisés, on a estimé que ça pouvait beaucoup contribuer à lutter contre la propagation de la maladie. Mais un autre point, c'est aussi on a impliqué notre partenaire de mise en œuvre de la protection dans la zone, tout simplement parce que très souvent, on peut se retirer, mais si le partenaire qui est une structure locale, donc, impliquée dans la situation, elle pouvait, en cas d'une autre situation, pouvoir s'impliquer davantage sur le terrain pour prévenir ce genre de difficultés. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Kassoum, pour cette intervention, pour avoir non seulement rappelé qu'il était possible d'utiliser ces standards pour cette pandémie COVID-19, mais également qu'il y avait moyen de l'intégrer dans d'autres secteurs tels que la santé, mais également le système juridique. Je souhaite passer la parole à nos collègues de Plan au Cameroun, en l'occurrence Rennes, qui travaille actuellement pour Plan International en tant qu'officier protection de l'enfance et de VBG, et dans le programme de prévention et de protection des filles et des garçons touchés par la crise du lactate. Rebonjour à tous. C'est un plaisir de partager l'expérience au terrain que j'ai menée avec vous. Alors, j'ai eu l'agréable opportunité de tester le package audio et illustration du standard minimum de protection de l'enfance actualisé avec les communautés déplacées internes, réfugiés et les communautés vulnérables hôtes. Toutes ces communautés ont été affectées par la crise dans le bassin du lac Tchad. Ainsi, à travers les dialogues communautaires avec des adultes de 28 à 50 ans, notamment 4 groupes de 6 femmes et 4 groupes d'hommes, dans les communautés d'Amchide et Kolofata où le projet actuel intervient, j'ai utilisé conjointement tant les illustrations et les audios des différents standards. Donc, les standards que j'ai testés sur le terrain étaient les standards 6 sur le suivi de la protection de l'enfance, le standard 9 sur les violences sexuelles et basées sur le genre, et le standard 17 sur l'approche communautaire. D'un autre côté, avec les adultes d'une communauté qui n'a pas vraiment connaissance de la protection de l'enfance, parce qu'il n'y a pas vraiment eu des actions humanitaires dans ces sites,
Il s'agit notamment du village de Koumari. Je n'ai testé que les illustrations du pilier 2, des standards minimums actualisés, dont les standards 7 à 13 sur les risques de protection de l'enfance, à travers un jeu imaginatif et descriptif d'apprentissage, avec les enfants de 7 à 13 ans dans des groupes mixtes, filles et garçons. C'était un groupe mixte où il y avait tant des enfants réfugiés nigériens, tant des enfants déplacés internes, que les enfants de la communauté haute. Donc, à l'issue des différents travaux de groupe, j'ai pu ressortir quelques points suivants. Comme bonne pratique, pour les adultes de toutes les communautés, il a été plus évident pour eux de comprendre et de s'intéresser aux problématiques de protection de l'enfance via les audios et les illustrations. Parce qu'après une illustration, on avait des échanges, qu'est-ce que vous voyez, à quoi renvoie l'image et qu'est-ce que vous pensez de cette image. Pareil pour les audios. Seulement, les audios étaient à langue Haoussa. Donc, on a dû choisir la communauté qui était essentiellement Haoussa ou qui écoutait et parlait Haoussa. Donc, c'était plus aisé et intéressant pour eux de les sensibiliser via les audios et les illustrations. Par ailleurs, comme avec le COVID, actuellement, nous utilisons une approche qui est celle de faire tourner les audios sur les sensibilisations COVID, les gestes barrières, dans la communauté tout au cours de la journée. Donc, ils ont proposé que ce serait également bien que ces mêmes audios traduits dans les langues différentes puissent tourner toute la journée. Et ainsi, ça leur permettra de vaquer à leurs tâches quotidiennes et continuer à écouter et à être sensibilisés sur les différents standards minimums de protection de l'enfance. Cependant, j'ai aussi ressorti quelques leçons apprises, tant pour les adultes que les enfants. Il en sort par exemple que certaines illustrations ne présentent pas vraiment les standards et prêtent à confusion. Exemple de l'illustration 9 qui est présentée actuellement, sur les violences sexuelles basées sur les genres, où il voit une femme qui parle à une jeune fille qui pourrait avoir ou non un problème. Donc, pour eux, ils disent, par exemple, que cette image ne reflète pas qu'il y a une violence sexuelle sur la jeune fille. Ils auraient aimé une image plus parlante, plus descriptive, qu'il y a une violence sexuelle et ensuite un soutien psychosocial. C'est vrai qu'il y a des femmes d'autres communautés qui ont compris automatiquement que c'est une dame des ONG qui est en train de fournit un soutien à une jeune fille qui a certainement eu un problème. Mais pour les enfants, ils voyaient juste deux personnes souriantes qui sont en train de s'amuser. Également, ils comprennent certaines images de la même façon. Donc, les illustrations que nous avons présentées, je pense que vous aurez le paquet, les illustrations 6 et 17, ils voient comme des sensibilisations communautaires. Or, ce sont des activités différentes. Donc, il faudrait que dans les illustrations, on puisse également présenter qu'est-ce qui est une approche communautaire de protection et qu'est-ce qui est un suivi de protection grâce aux images. Les audios d'essai n'étaient que en Haoussa, donc c'est la langue que nous avons faite pour l'instant. Ce n'était que en Haoussa et il s'est avéré qu'au Nigeria, il y a un Haoussa et au Cameroun, il y a un autre Haoussa. Donc, la recommandation que j'ai prise pour cela, c'était qu'on puisse faire traduire les audios dans les différentes communautés pour qu'ils puissent comprendre les sens même de ce qu'il est communiqué. Donc, comme autre recommandation, il faudrait bien que les facilitateurs des différentes sessions de sensibilisation puissent être formés à l'exploitation de ces différents outils. Comment expliquer les différentes illustrations? Parce que c'est aussi bien que les illustrations ne présentent pas totalement ce qui devrait être, parce que ça permet un grand brainstorming en communauté et que les facilitateurs puissent comprendre pourquoi ce brainstorming et quoi expliquer ensuite les différentes illustrations. Donc, et les audios devraient être également enregistrés dans les différentes langues, dans les différentes localités, comme je l'ai précisé. Pour finir, personnellement, je trouve le package très utile
car il a facilité les échanges avec les adultes et les enfants et pourra toucher le maximum de personnes et la sensibilisation a vraiment été moins épuisante que d'habitude. D'habitude, on vient, on a juste un thème, on débat sur le thème, chacun donne ses appréhensions, mais là, il y a une image qui reflète la communauté et la communauté permet de nous donner différents points de vue. Et il y a un audio qui présente le standard et la communauté nous donne encore leur point de vue. Et ensuite, on peut avoir des échanges, des discussions et chacun a un point de vue. Et en plus, avec ces différents points de vue, on peut à la fin ressortir avec un standard bien présenté à la différente communauté. Des points de vue qui semblaient divergents seront maintenant convergents. Et la compréhension des différents standards sur la protection de l'enfance sera vraiment optimale. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Merci pour votre attention et je reste disponible pour toutes questions. Merci. Merci, merci beaucoup, Ren, pour ces explications. Je pense que nous arrivons à terme des présentations. Nous avons une partie qui est réservée aux questions et réponses. Nous avons une question effectivement qui est adressée aux collègues de Save the Children et on demande est-ce qu'il y a des cas de mineurs infectés au COVID et comment l'appui psychosocial se passe? Bon, ma réponse va être pour ce qui est de la localité où je suis. Les cas confirmés positifs sont gérés par un comité régional et malheureusement à Zinder, le seul lieu de prise en charge au niveau médical, c'est au niveau de l'hôpital régional, l'hôpital national de Zinder plutôt. Beaucoup de familles sont confinées au niveau même de leur résidence et c'est l'équipe médicale qui est autorisée à aller faire la prise en charge. Et malheureusement, beaucoup plus au niveau du bureau, on est beaucoup plus focalisé sur la prévention. Et du coup, la plus grande partie de nos activités donc, sont focalisées sur le terrain, beaucoup plus pour les sensibilisations de proximité. Et donc, pour ce qui est de la prise en charge, en tout cas, pour le moment, on n'a pas une équipe au niveau du bureau, parce que volet protection, on n'est que deux personnes. Moi et mon assistant, on a une assistance protection qui est basée sur le terrain. Donc, pratiquement, on est focalisé pour le moment, en tout cas, au niveau de la prévention. Merci beaucoup, Kassoum. Peut-être si je peux juste apporter un complément. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Antafal, conseillère régionale pour la protection de l'enfant pour Save the Children. Je voulais juste apporter l'exemple du Sénégal, où on a le gros problème des enfants de la rue, qu'on appelle communément enfants talibés. Aujourd'hui, le plan national du gouvernement, c'est de pouvoir les retirer de la rue et de les mettre un peu comme en quarantaine pour une période de 14 jours dans des centres qui ont été affectés à cette cause. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent, il y a effectivement, alors c'est pas un test, je pense que c'est juste un test de température. Et pour les enfants qui sont suspectés un peu d'avoir la maladie, je pense qu'il y en a eu, je n'ai pas le nombre en tête, mais il y a eu un certain nombre de cas d'enfants qui ont été révélés porteurs du COVID-19. Donc, ces enfants sont en fait pris en charge dans les structures, j'allais dire, normales, les structures de santé. À ma connaissance, il n'y a pas un système spécifique qui soit mis en place pour les enfants, à part, si vous voulez, cette période avant, donc cette période de quarantaine de 14 jours où ils sont placés. Et là, je parle vraiment de la question spécifique des enfants des rues, des enfants talibés, où ils sont placés dans ces centres pendant que les précautions sont prises et que la recherche familiale est organisée pour un éventuel retour en famille. Alors, bien sûr, vous imaginez que ça va avoir beaucoup de challenges, notamment pour la question des enfants qui sont étrangers. Il y en a un certain nombre qui viennent des pays transfrontaliers. Et du coup, aujourd'hui, l'écueil un peu, le blocage du gouvernement et des acteurs de la protection que nous sommes, c'est la question du retour de ces enfants. Et au bout de 14 jours de quarantaine, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est des discussions qui sont encore en cours, mais c'était juste pour apporter un complément d'information sur la... Merci, Adama. Très intéressant, Anta. Merci, merci pour les jours. Là, je ne sais pas si les collègues de Biofort sont également en ligne.
Ce serait bien s'ils pouvaient intervenir et nous dire très rapidement comment ils ont pu utiliser les standards dans le cadre de leur formation de protection des enfants qu'ils proposent depuis quelques années. Oui, donc Brigitte n'est pas là. Brigitte est notre experte en protection de l'enfance. Moi-même, je ne suis pas spécialiste. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de réviser nos supports de formation pour pouvoir justement adapter l'ensemble de nos cours du programme responsable de projet en protection de l'enfance dans les actions humanitaires et faire en sorte que les nouveaux standards soient effectivement utilisés dans l'ensemble des cours. Voilà. Merci, merci beaucoup Fred. Deux questions et il y avait une question sur la disponibilité du package que plan proposé. Je ne sais pas si Soleil va nous en parler un peu ou au moins nous dire comment on peut y avoir accès. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Adam, et merci pour la question. Le paquet sera disponible effectivement pour tous les partenaires et tout le monde qui a participé à l'appel aujourd'hui. Donc, Adam, je vais partager avec toi le lien et après, si tu veux, tu peux le partager avec tout le monde, ça va? Aussi, on va le mettre sur le site web de l'Alliance. Merci beaucoup, Soleil et Johanna. Peut-être nous allons prendre une des dernières questions. Je pense, Johanna, je vais te la passer. La question, elle tourne autour de la nouvelle version de 2019 et le collègue demande est-ce qu'il y aura une autre version, j'imagine, pour les années à venir. On vient juste de le lancer. Ça fait 7 ans entre 2012 et 2019. Donc, et c'était un processus assez long de 2 ans. Donc, on ne parle pas d'une autre révision, ça c'est certain, là, pas pour l'instant au moins. Mais je vais juste vous dire que pour avoir des copies, on vous encourage de le télécharger du site web de Humanitarian Standards Partnership et d'utiliser la copie digitale. Mais aussi, on va imprimer cette année à peu près 400 copies en français et on va les distribuer, on va trouver un moyen de les distribuer au CPWG, le groupe de travail dans chaque pays où ça existe. On va partager quelques copies avec les opérations du HCR pour distribuer. Et aussi, j'espère qu'on va avoir assez de copies pour envoyer peut-être 2, 3, 4 copies aux pays où ils n'ont pas de groupe de travail dans les contextes humanitaires. Donc, dans les mois à suivre, on sera capable de partager, de distribuer quelques copies du document. On cible toujours les ONG, les organisations communautaires ou locales. Comme vous savez, d'habitude, c'est un peu plus difficile de télécharger, d'avoir l'app et tout ça. Ça, je peux vous dire pour la nouvelle édition. Et on ne part pas non d'une autre édition à faire. Ça, c'est loin dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Johanna. Je pense qu'on est déjà à 3 minutes du temps que nous avions réservé. Nous allons passer aux conclusions. Merci, Adama. Et j'ai voulu vraiment remercier tout le monde qui était sur le panel. Les SMPE, comme j'ai dit, sont vraiment un outil interagence. Et un webinaire comme tel, c'est aussi un projet interagence. Donc, merci à Plan, Save the Children, HCR, CPAOR, UNICEF, etc., de notre part de l'Alliance. J'ai voulu, juste avant de terminer, demander à vous autres, les participants, de mettre dans le chat box, non pas seulement au revoir, mais peut-être vos idées d'autres choses qu'on peut faire ensemble. Donc, si peut-être vous avez aimé le projet de Plan sur les illustrations, peut-être il y a un autre projet, une initiative comme telle que vous aimeriez proposer pour faire dans la région. Et s'il y a d'autres webinaires, d'autres sujets que vous aimeriez discuter, peut-être un standard sur justice pour les enfants ou PSS ou je ne sais pas quoi, mais vous pouvez le proposer dans le chat box avant de partir. On sera très intéressés de savoir vos pensées. Après tout ça, je vous conseille, je vous encourage d'aller sur le site web de l'Alliance qui est ici. C'est juste, les dernières lettres sont FR pour français, ES c'est pour espagnol. Mais si vous allez à alliancecpha.org/FR, vous trouverez les documents pour les SMPE. Et aussi, vous avez aussi
le courriel pour Adama. Si vous avez des questions, des suggestions, etc., il est là pour nous. Et avec ça, encore, je vais dire, comme Adama a dit au début, on a un autre webinaire demain à 1h Dakar. Le même sorte de webinaire, mais en anglais. Donc, si vous avez des collègues qui vont l'apprécier, dites-leur de venir nous rejoindre là-bas. Et cet webinaire en français a été enregistré. En 2-3 jours, ce sera sur le site web d'Alliance, aussi disponible avec le CPAOR. Donc, vous pouvez le partager à ce point-là. Donc, pour le moment, je vous remercie les panélistes et aussi les participants. Et à la prochaine, j'espère. Au revoir tout le monde.